L'ABC quiz. Je rappelle les règles. Je vais vous poser une série de questions. Les réponses à ces questions sont dans l'ordre alphabétique. La première réponse est en A, puis en B, puis en C, puis en D, puis en E, etc. Oui. Ça se joue au tour par tour. Donc, le but du jeu, c'est que vous avez 2 minutes 30 pour boucler l'alphabet. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Les lettres qui restera à la fin compteront dans des manches bonus. D'accord. Et dans ces manches bonus, eh ben, on augmentera le nombre de points attribués par bonne réponse de 1 unité. C'est-à-dire que là, en temps normal, chaque bonne réponse vaut 1 point, mais à la fin, on fera 2 points, 3 points, 4 points, 5 points et 6 points. À la fin de chaque manche, vous déciderez ou non si vous voulez tourner la necroulette en l'échange de 3 points. Alors, on va faire dans l'ordre. Enzabu, Pozzo, Yume, Comus, Lunel. Attention, le moment Blodangan arrive. Ah oui, 3. Ah oui. Enzabu en A, le moment où l'on déguste seul ou à plusieurs un verre d'alcool avec des petits gâteaux. Apéritif. Oui, Pozzo en B, ce que font beaucoup les enfants. Blablabla. Yume. Non. Barbotte. Pause. Barbotte. Bah oui, barbotte dans l'eau. Les enfants de barbotte. De quoi pourquoi j'ai eu faux, moi? Oui, mais beu, c'est pas les enfants qui font beu, c'est les bébés. Enfants, ils font... les bébés, c'est des enfants. Ils bafouent. Ouais. C'est pas des adultes. C'est des nourrissons. C'est des nourrissons, pas des enfants. Tu sais ce que je vais faire, Yume? Ouais. Eh ben, je vais prendre. Ouais. Mais j'attendais surtout le mot bêtise. Ah. Oh, ouais, d'accord. On reprend en C avec Comus. Il vous reste 2 minutes 14. Attention. Top, Comus en C. Une île où est né le mambo et où l'on fume des cigares. Je ne sais pas. Lunel. Les Caraïbes. Ça commence pas par C. Non. Je sais pas. Enzabu. Copacabana. Non, Pozzo. Les îles Canaries. Yume. Les Corses. C'était Cuba. Comus en D, temps accordé pour l'accomplissement de quelque chose. J'ai pas entendu. En D, temps accordé pour l'accomplissement de quelque chose. Non, je sais pas, je passe. Lunel. La durée. Je prends. Je prends, mais j'attends des délais. Ah ouais. Ah, d'accord. On repart en E avec Enzabu. Il vous reste 1:36. Top, Enzabu en E, une expression rendue célèbre par Archimède. Non. C'est sûr qu'il allait dire ça. Oh non. Égal MC2, c'était Einstein. Oui, je m'en suis rendu compte. Aïe, aïe, aïe. Tu t'en es rendu compte, bordel de merde. J'ai fait E égal... Vous êtes... Ah, c'est pas lui, merde. Très mal. Non, Comus, c'est ce que tu l'as. Eureka. Ouais. Ah ouais, Eureka. D'accord. Eureka, j'ai trouvé. C'est pas une formule, c'est une expression. Ça commence pas par un. Il y a des expressions. Ouais, elle est très connue, cette expression. On repart en F. Non, il a dit une expression. Non, expression. Non, il a dit une formule. Ah, j'ai défoncé Mad. Expression. On repart avec Lunel en F. Il vous reste 1 minute 27. Vous êtes vraiment dans la merde. Attention. Ouais. Top, Lunel en F, l'excitation du sexe de l'homme avec sa bouche. Fellation. Oui. Angers. Oui. L'excitation du sexe avec sa bouche. Oui, eh oui. Bah, par les rênes, hein. J'ai osé le mettre. Et il y en a des comme ça un peu partout. On repart en G avec Enzabu. Une 19. Ouais, je suis prêt. Top, Enzabu en G, art de faire de la bonne cuisine. Gourmet. Oh putain, y a oui. Un mec qui... Pozzo en H, établissement où on peut prendre des bains de vapeur. Le hammam. Yume en I, une région qui abrite les départements 93 et 78. Île-de-France. Oui, Comus en J, une femme que tout le monde peut mater au musée du Louvre. Merde, je bug. Non, désolé. Lunel. je passe. Enzabu. La Joconde. Oh putain. Oui, voilà. Pozzo en K, un animal australien qui s'accroche aux branches d'arbres. Hein? En K, un animal australien qui s'accroche aux branches d'arbres.
Quoi là? Oui. Non, elle mais... s'est trompé là, il a dit un truc. Oui, mais il s'est rattrapé avant que je passe la main. En plus, il a pas dit kangourou, il a dit kangourou. Ouais, ça c'est non, c'est mort. Nous repartons avec le L avec Yume, il vous reste 32 secondes. Putain, merde. On n'a pas les voir. Le loot. Fais de la merde. Top. En L, Yume, ce que Gilbert Montagnier ne quitte jamais. Comment? En L, ce que Gilbert Montagnier ne quitte jamais. Il reste son lit. Non, Chris. Non, je sais pas. Lunelle. Des lunettes. Oui. En M, Enzabou, un personnage rendu célèbre par Eddie Semoun avec son fameux bongour. Micheline. Oui, Pozzo, en N, une fête que l'on fête le 25 décembre lorsqu'on est catholique. Noël. Oui. Bah moi, je suis pas catholique et je fais la fête. Oui, oui, mais bon. Ouais. Nous allons passer à l'annonce des scores. C'est parti. Les scores pour cette première manche. Pour l'instant, nous avons premier ex aequo Enzabou, Pozzo et Lunel avec 3 points. Deuxième Yume avec 2 points. Et troisième Nicomus avec 3 points. Maintenant, je vais vous poser. Attends, il n'y a pas de problème là ? On fera tourner la necroulette à partir de la deuxième manche parce que. Non, mais c'est dégueulasse ce mot là, dis pas ça. Gaspiller 3 points. Et on dirait que ça ressemble à chatroulette, moi. Bah ouais, à chaque fois, moi, ça me fait penser à chatroulette. Non, moi, necroulette, ça me fait penser genre à necroulette, ça me fait penser à chatroulette. Depuis que tu parles de ça. Bon, bah écoutez. Oui, voilà. La nécromancie, tout ça. J'ai envie de vous dire, croyez ce que vous vouliez. En fait, le chatroulette des morts. C'est ça le truc. J'ai combien de points, moi? C'est le chatroulette des morts, c'est ça. J'ai 2 points. Vous voulez voir une bite de cadavre? Et t'as dit que Comus, il en avait 3 alors qu'il est derrière moi. 3ème avec 1 point, j'ai dit. Ah, t'as dit 3. J'ai dit 3ème avec 1 point. Oui, t'as dit 3ème avec 3 points. Ah ouais. Bon, bah autant pour moi. Alors maintenant, nous allons faire dans l'ordre Enzabou, Pozzo, Lunel, Comus et Yume. Mais enculé, je suis dernier moi. Mais va te faire foutre. Bah, je fais ce que je veux, c'est moi qui décide de l'ordre. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2. Enzabou en A, jolie blonde qui se balade au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Pause. Elle est pas jolie. Désolé. Je prenais juste Alice au pays des merveilles, c'est un peu superflu. Ouais, je sais, j'ai perdu du temps. Ouais. Attention, on part avec Pozzo en B. Top Pozzo en B, jeu représentant un terrain de foot miniature. Baby foot. Lunel, pardon, en C, bande de cuir dont on s'entoure la taille pour ajuster un vêtement. Un col. Oui. Ah, oui, oui. En cuir fait. Un col en cuir. Bah oui. Un col sur les vestes en cuir. Non mais il s'accole. Il s'accole. Non mais il se serre la taille avec un col de chemise lui. La taille? Ah moi j'ai pas entendu oui, ça. T'as, oui. Il a dit parlé de la taille. J'ai dit la taille. Donc tu te fais avec un col de chemise. Ah bah oui. Donc on reprend avec Comus. Ceinture. Oui. On repart en D avec Yume. Il vous reste 2 minutes 8. Top, Yume en D, un produit qui mousse et qui fait briller les dents. Dentifrice. Enzabou en E, un animal qui fait des crottes de la taille d'un ballon de handball. Il reste 2 minutes. Il y a des minutes. Je sais pas. C'est quelle lettre, Pozzo, en E? Un animal. Un éléphant. Oui. Lunel en F, un truc qu'il ne faut pas aller quand on cache la galette des rois. Un truc qu'il ne faut pas avaler, pardon. Il a rien compris. J'ai rien entendu à côté. En F, un truc qu'il ne faut pas avaler. Oula, j'arrête le chrono pour cette question. Lunel, en F, un truc qu'il ne faut pas avaler, qu'on cache dans la galette des rois. Ah, la fève. Voilà, on peut reprendre. C'est un peu plus tendu. En G. Dans la galette des rois. On repart avec Lycomus en G. Top. Angers, certains l'ont le matin, mais c'est également le nom donné par les Romains pour désigner la France. Ah, la Gaule. Oui, en H, Yume, catégorie de manga japonais décrivant des situations érotiques ou pornographiques. Hentai. Oui, en I, Enzabou, le nom de la religion musulmane. L'islam. Oui, Pozzo, en J, le pape ayant précédé Benoît XVI. C'est à qui là? À toi. Ah, Jean-Paul. Jean-Paul II, oui. En K, Lunel, unité de mesure de la masse qui correspond à 1000 grammes. Kilo, grammes. Oh oui, Comus en L, ce que dit quelqu'un qui manque de rapidité. Long.
Oui. En M, Yume, la femme avec qui dort votre papa lorsqu'il ne la trompe pas. Il reste 45. Quoi ? Redis ça ? En M, la femme qui dort avec votre papa quand il ne la trompe Maîtresse. Pas. Maîtresse. Mais non, quand il la trompe pas, c'est pas Enzabou. Mais c'est pas possible. Oui. En N, Pozzo, appréciation chiffrée que mettent souvent les professeurs. Numéro. Bah non, Lunel. C'est pas forcément ma mère en plus. Note. Oui, une note. Lunel en haut, une forme géométrique avec 8 côtés. Octogone. Oui, commence en P, mot qu'il faut crier lorsqu'on joue au ball trap. Je sais pas. Yume. Il reste 10 secondes. Hein ? En P, un mot qu'il faut crier lorsqu'on joue au ball trap. Poule. Oui. En Q, Enzabou, somme de 10 plus 4. Terminé. 14. Oui. Quoi, il a entendu. Il a entendu avec Yumi qui gueule comme ça. Moi j'ai entendu. Elle est live 10 plus 4. L'autre a dit 14, c'était pour 21. Putain, mais je savais pas que c'était poule. J'ai dit ça au hasard. Eh oui, mais le hasard fait bien les choses. Nous allons passer au score. Alors, à l'issue de cette deuxième manche, j'adore vraiment cette musique. On a Enzabou et Pozzo, égalité avec 7 points. Deuxième, Lunel avec 6 points. Troisième, Yume avec 5 points. Et quatrième, Comus avec 4 points. Nous allons maintenant passer à la necroulette. C'est comme l'autre jour, là. Sexuel, là. Il fallait échanger son partenaire. C'était l'échangiste. J'ai dit ça oui, au hasard. Tu avais dit ça au hasard. Nous allons passer à la necroulette. Oh, c'est le bordel. Alors, la necroulette. La necroulette, qui c'est qui tourne? Moi, je tourne. Alors, moi, je tourne aussi. Enzabou, on va faire un tour de rôle. Enzabou, est-ce que tu veux tourner la roue? En échange de 3 points. Donc, ça vous coûte 3 points sur votre score. Oui, je tourne. Attention. Moi, je décide de tourner le roue. Oh putain. Ta gueule. Alors, Enzabou. Pour la prochaine manche, tu gagneras 0 point par bonne réponse. Pozzo, est-ce que tu... Je peux tourner cette putain de roue. Là, je tourne. Pozzo, tourne à roue. Attention. Et Enzabou tourne, allez. On entend en plus, hein. Attention. Pozzo, tu perds 5 points. Lunel, est-ce que tu décides de tourner la roue? Ah bah non, j'ai déjà... Ah mais quelle petite bite ce mec. Yume, est-ce que tu décides de tourner la roue? Moi je tourne le roue qui tourne la roue. Donc tu tournes la roue, allez. Tu perds 3 points mais tu tournes ta roue. Donc je perds 3 points et 5 points moi en plus. Attention, Yume il perd 100 points. Tu perds 8 points dans le ventre. Ah oui, parce qu'il a 5 et il perd 3 points. Oui, j'avais oublié d'enlever les 3 points. Yume, pour la prochaine manche, tu gagnes le double de points. Licomus, est-ce que... Non, non, mais je te jure, il y a une rediff. Hein. C'est génial. Licomus, est-ce que tu veux tenter la roue? Ouais, allez. Il tente, lui. Et Comus, t'es de devant Pozzo, là, attention. Bon, c'est pas... On fera un point au score à la fin. On peut avoir un score négatif, c'est bien. Comus, tu es tombé sur la case banqueroute. Tu perds tous tes points. Mais tu es obligé de les donner à quelqu'un. Tu as 4 points, à qui donnes-tu tes 4 points? Non, il a pas 4 points, il en a 3 de moins. J'avais 4 points, je crois. Moi, Comus, oui. Pardon, t'as plus qu'un point, tu le donnes à qui? Donne-moi les à moi, comme ça j'ai 0. Non, je vais les donner à Nec. Mais tu peux pas me les donner, je joue pas. Je l'ai donné à Christophe de Chavannes. Vraiment. Ah, je l'ai donné à une association. Ah, je suis dans le trait. Allez, Comus, à qui tu les donnes? Je vais les donner à Pozzo, tiens. Attends. Allez, à Pozzo. Oh, tiens. Merci, je suis à 0. Si on a perdu. Pozzo gagne un point. Enza, du coup, on va faire un point sur les scores. Les scores, du coup, nous avons maintenant plus que... En première position, Lunel avec 6 points. En deuxième position, Enzabou avec 4 points. Putain. En troisième position, Yume avec 2 points. Et en quatrième position, Yume et Comus avec 0. Je comprends pas là. Qu'est-ce que tu viens de dire? T'avais dit Yume et Comus. Ah, d'accord. Ah, bon, mais autant pour moi. Alors, du coup, je rappelle les bonus et malus. Enzabou, tu gagneras aucun point par bonne réponse que tu donneras. C'est la baisse. Et Yume, tu gagneras 2 points par bonne réponse. Ça, c'est good. On va faire dans l'ordre. C'est vrai ça. On va commencer par Lunel. T'as fois deux ce coup-ci. On va faire Lunel, Pozzo, Enzabou, Yume, Comus. Ouais. Attention.
Oh putain, Bloodborne Gang. Top lunellant A, orifice extérieur par lequel se termine le rectum ou et où sortent les excréments? Anus. Oui, Pozzo en B, véhicule à deux roues synonyme de vélo. Bicyclette. Enzabou en C, une créature maléfique et malfaisante dans la mythologie grecque. Clope. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Un cyclope. Un C. On a compris clope, mais ouais. Ah, ça fonctionne, hein? Clope. Je prends, oui. J'ai dit cyclope. Il y avait également la chimère. Le cerbère aussi. Yume en D, une petite peluche qu'un enfant ne veut jamais lâcher. Doudou. Oui, Comus en E, le prénom de la chanteuse Piaf. Edith. Oui, en F, Lunel, ouverture étroite et longue. Irrespect, c'est Bozo. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? En F, ouverture étroite et longue. Fenêtre. Enzabou. j'ai rien compris. Enzabou. Pente. Oui, une fente, oui. C'est une fenêtre. En G. Non, Yume, synonyme de chute. Il reste une minute trente. Ground. Non, comme non, mais putain. Gamelle. Qui s'est dit? Voilà. Il a dit une gamelle. Une gamelle, oui, je prends. Non, on repart en H avec Lunel. Top. En H, Lunel, chaîne de restaurant de viande grillée rimant avec anus. Passe. Pozzo. Pozzo. C'était quoi ça? Quoi? C'est quoi? En H, chaîne de restaurant de viande grillée rimant avec anus. Eh, attends, j'ai rien compris. Ah putain. Je sais c'est pas. C'est facile. Emmaüs. Et c'est une chaîne de restaurant de viande grillée, non, là, de bouffe, là. Je rigolais parce que... Allez, on repart en H avec Enzabou, il vous reste une minute 3. Ah putain, d'accord. Top, Enzabou en H, chaîne de restaurant de viande grillée, rimant avec anus. Hippopotamus. Oui, Yume en quoi? I, quelque chose qu'Enzabou a rarement. C'est quoi? C'est vrai? Ça existe, ça? Bah, hippopotamus. Ouais. Oui. Mais si, connerie. Mais si. Je pensais, qu'il disait de la merde. Non. Non, c'est vrai. Yume, tu peux gagner 2 points faciles sur celle-là. Il vous reste 52 secondes, on est en I. Attention. Top. En I, quelque chose qu'Enzabou a rarement. Intelligence. Oui, en J, Comus, un document de presse écrit vulgairement appelé canard. En J. Non, je sais pas. Lunel. Journal. Oui. En K, en K, Pozzo, ah, oui. Une émission dans laquelle Denis Brognard sort son poteau. En L, Enzabou, un organe situé au niveau de la gorge. Je passe. Yume. Et en L? Oui. Un organe? Bah oui. Comus en M, finissez cette célèbre réplique. Tu l'as vu? What? Quoi? Il reste 10 secondes. En M, tu l'as vu? Je sais pas. Lunel. Mon cul. Oui. Terminé. Alors, nous allons passer au score. Les scores, nous avons pour l'instant premier Lunel avec 9 points, deuxième Yume avec 8 points, troisième Enzabou avec 4 points toujours, et quatrième Pozzo et Comus avec 2 points. Ouais, ça c'est moi, bien. Je tire la roulette, hein, allez, nous allons passer à la necroulette. J'adore ce nom, c'est ça chier, mais j'aime bien. Je la tire. Ça Lunel, est-ce que tu décides de faire tourner la necroulette? Est-ce que t'es une petite bite? Oui, je suis une petite bite. Oh putain, mais c'est voilà. Mais non, mais faudrait la faire tourner d'office la roue, c'est plus ça, c'est plus marrant. Non. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On l'a tourné. Ouais, faut faire ça. Ouais, mais dans ce cas-là, ça coûtera pas de points parce que sinon ça serait trop abusé. Yume, est-ce que tu décides de faire tourner la necroulette? Moi je fais tourner. Hein. Troisième, je suis obligé. Allez, tournez. Pourquoi je sens pas en croûte? Tournée générale. Donc déjà tu perds 3 points sur le score. Et là je perds 12 points, merci. Yume, tu es tombé sur la case échange de points. Avec qui échanges-tu ton score?
Lunel. Lunel, c'est enregistré. Va te faire enculer. Ça aussi, putain. Va te faire enculer, fils de pute. Nous allons passer à Enzabou. Enzabou, est-ce que tu fais tourner la roue? Bah évidemment que je tourne la roue, moi je suis petite bite, hein. Allez, c'est parti. Enzabou, je devrais mettre une musique hein, pour la nécroulette, parce qu'il n'y en a pas. Enzabou, pour la prochaine manche, tu perdras un point par bonne réponse. Ça fait que, encore une fois, tu ne gagneras pas de points. T'es sérieux? Du coup, donne des mauvaises, Enzabou. Pozzo, est-ce que tu tournes oui, la roue? Je tourne. Oh, putain. Donc tu passes en score négatif, attention. Ah mais Enzabou, le pauvre, attends. Pozzo, tu es tombé sur la case banqueroute. Mais étant donné que tu as moins un point, tu gagnes un point. C'est bon, ça. Comus, est-ce que tu tournes la roue ou pas? Ouais. Toi aussi, tu mets en score négatif. Et là, il gagne 10 points. Birache. Ah bah, il peut. Hein. J'en perds. Attention. Vous perdrez 15 secondes au chrono. 15 secondes. Ah oui, pour tout le monde. Oups. Ah. Donc, Enzabou, 0 points par bonne réponse et vous n'aurez plus que 2 minutes 15. Les scores. Non, Yume premier avec 9 points. Deuxième, Lunel avec 5 points. Troisième, Enzabou avec 1 point. Quatrième, Pozzo avec aucun point. Et Comus dernier avec moins 1. Nous allons passer dans l'ordre suivant. On va faire Yume, Enzabou, Pozzo, Lunel, Comus. Est-ce que vous êtes prêts? Donc du coup, vous n'avez plus que 2 minutes 15. Attention. Top. Yume en A, roi dont l'épée s'appelait Excalibur. Arthur. Enzabou en B, confiserie répandue dans les fêtes foraines. Ouais. Et c'est un mec qui a mis son micro. Les bistouquettes. Il reste 2 minutes. Bam, on repart avec Pozzo en B. Voilà, c'est pas grave. Tu me le donneras après. Top. En B, Pozzo, confiserie très répandue dans les fêtes foraines. Barbapapa. Oui, Lunel en C, une très bonne salade portant le nom d'un empereur romain. César. En D, Comus, quelque chose que Lunel n'est pas. Trop de privé de jet pour moi, je passe. Yume. Qui tire en pique. Docteur. Bah oui, il n'est pas docteur. En E, Enzabou, elle peut être statique. Électricité. Oui, Pozzo en F, chacune des 24 parties imaginaires de la Terre dont les points ont la même heure légale. Flibustier. Lunel. Fuseau. Oui, fuseau horaire. Comus en G, une peinture à l'eau faisant partie de la liste scolaire des élèves de 6e. Oui, en H. En H, Yume, une interjonction exprimant le regret. La honte. Non, Enzabou. Je passe. Pozzo. Hein? En H, une interjonction exprimant le regret. Hélas. Oui, bien. En L, Lunel, un reptile qu'on retrouve au Mexique. En I, pardon. J'avais pas entendu comme ça. En I, un iguane. 45, oui. En J, Comus, un art martial japonais qui signifie souplesse et qui permettait aux samouraïs de se défendre à main nue lorsqu'ils étaient désarmés. Non, Yume. Judo. Je passe. Je dis tu. Oui. En cas, Pozzo, une expression signifiant c'est pareil ou la même chose. Quoi? Quoi? En cas, une expression signifiant c'est pareil, c'est la même chose. Isako. Lunel. Kif-kif. Oui. En L, Comus, une confiserie orientale. Des loukoum. Oui, Yume en M signifie grand-mère en langage familier. Mémé. Oui, en N, Enzabou. Ah, c'est terminé. C'est terminé sur Mémé. Au score. Yume, 12. Tu es premier. Je sais. Lunel, 9. Deuxième. Ouais. Enzabou et Pozzo, égalité, 2 points. Troisième. Et comme ce dernier, quatrième avec 1 point. Ouais, Yume, est-ce que tu tournes la roue? Attends. Oui. Je t'enlève 3 points. C'est con d'enlever 3 points pour relancer une roue. Bah ouais, mais bon. Ouais, je vois. Yume, t'es vraiment chanceux. Pour la prochaine manche, ton score sera doublé. Ah. Par bonne réponse. On va te faire foutre, connard. C'est pas possible. Lunel, est-ce que tu tournes la roue? Bah vas-y, au moins une fois. Allez. Vas-y. Pas croûte, bah t'enculé, t'avais qu'à la tourner avant. On va
voilà. 10 points de gagné, biatch. Allez, va te faire foutre. Tu gagneras aucun point par bonne réponse. Ah bah c'est cool, voilà. Aucun point. Lunel, 0 ouais. point. Donc c'est la manche moins 1 point. Enzabo, est-ce que tu tournes? Donc oui. Ah, fais tourner. Donc tu passes un score négatif. Ouais, moins 1, allez, vas-y. Tu viens de gagner 5 points. Wouh, gratos. Allez, je suis à 4. Pozzo, est-ce que tu tournes la roue? Ouais, je tourne la roue. Hop, Naruto, si tu es hein. en score négatif. Ah, Naruto. Avec Enzabu. Naruto. Ou Naruto. Banqueroute. Mais comme tu as moins un point, tu gagnes un point. C'est fou, le mec, c'est... il a de la chance. Parce que... Les Comus, tu fais tourner la roue ou pas? Bah oui. Ouais. C'est parti, la roue tourne. Je devrais mettre la chanson de... Comment elle s'appelait? Zao. Mais non, mais même 2 points. Eh ben, banqueroute, mais comme t'es à moins 2, tu passes à 0. Donc, du coup, dans l'ordre, on va faire comme la manche précédente. Donc, on fait une manche de bonne lunelle. 1, 2, 1, 2. Yume en A, un sigle désignant l'acide désoxyribonucléique. AMV. Enzabu. Oh merde! Pozzo! Ah, mais il a pas dit, mais il est con lui! Pozzo! ADN! Oui! Lunel en B, d'après Yume, c'est Mad qui a été le premier homme à se la faire dédicacer par Jésus! Ah oui! Ah oui! Ah oui! La Bible! Oui, en C, Comus, un réservoir d'eau surélevé appartenant à un réseau de distribution d'eau! Château d'eau? Oui, il en D, Yume, un objet qui signale le trou sur un green de golf! Un D? T'as déjà vu un dé sur un parcours de golf? Top, Enzabu en dé, un objet qui signale le trou sur un green de golf. Un drapeau. Oui, ah ouais. On repart avec Pozzo en quoi? E. Top. Pozzo en E, un américain qui a eu la lumineuse idée d'inventer l'ampoule électrique. Emison, non? C'est pas ça. Non, Lunel. Putain, c'est quoi déjà? Edison. Oui, Edison. En F, Comus, quelque chose que vous pouvez. Alors, j'arrête le chrono parce que c'est quelque chose qui peut prêter à confusion et que c'est difficile à dire parce que je me retiens de rire. Comus, en F, quelque chose que vous avez toujours eu envie de me faire. Oh là. En quoi? En quelle lettre? F. De te faire foutre, j'en sais rien. Oui, c'est ça. D'autres auraient pu avoir des idées plus farfelues, vous voyez, comme Enzabu. De te faire. On n'a pas envie. Se faire fister, faire courir. De te faire faire. On repart. De te faire des fards à paupières. De te faire femme. On repart Angers avec Enzabu. Yume, pardon. Angers avec Yume. Top. De faire Angers, Yume, le prénom du cousin de Donald qui a toujours de la chance. Merde, c'est comment déjà son nom Si tu sais pas, passe. Grillade. Enzabu. Contrant bonheur. Oh oui. Putain, c'est quoi ce nom de merde? Contrant bonheur. En H, Pozzo, ouais. Un sport qui a débarqué au JO en 1896. Le hockey? Non, Lunel. Passe. Comus. Je passe. Yume. Halel. Tentez des sports, bordel de merde. Mais je le connais pas, ce Ah, mais je sais. Pause. C'était l'haltérophilie. Pozzo, on repart avec toi en I. Le haltérophilie. Top. En I. I, se dit d'un triangle qui a deux côtés égaux. Isocèle. Lunel, en J, un programme de Canal+, qui dure que 5 minutes, mais qui fait beaucoup de bien. Le journal du Hard. Oui, Comus en K, cylindre creux composé de plusieurs miroirs qui permettent de produire de nombreuses images. What? En K. Un cylindre creux composé. Yume. Kim Jong-un. Enzabu. C'est quoi la question? Je passe. En K, cylindre creux composé de plusieurs miroirs qui permettent de produire de nombreuses images. Ah, je sais. Caméra. Un putain de kaléidoscope, les mecs. Oui, j'allais justement venir à toi. Du coup, on repart en L avec Comus. C'est fini. Quoi, c'est fini? Il a dit c'est fini. Non, il reste 14 secondes. Ah bon?
La musique, elle s'est pas arrêtée. Bah, c'est moi qui ai arrêté le chrono. Oh 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 on repart en commu sans L. Oh oh ok. Oh oh ta gueule. On repart en L. Attention, top. En L, commu, une journaliste que Superman trouve super bonne. Reste 10 secondes. C'est pas. Oh putain. Mais l'inculture de ce mec. Yumi Louis. Oui. En M, Nzabou, état de tristesse vague et indéfinie. Terminé. Je sais pas, je passe. C'était la mélancolie. Ah ouais, ah bah j'en ai pas. J'en ai pas. Avec ça, moi je vais aller en double, ça tombe bien. Tu vas faire un échange. Est-ce que je l'ai dans les poches? Non, j'ai pas. Ah, mais lui il avait un peu pas de mélancolie, hein. Les scores. Allez, au revoir. Yume en première position avec 11 points, suivi par Nzabu et Lunel avec 6 points. Et Pozzo et Comus avec 2 points. Ouais, mais nous on a toujours le même point. Oui, c'est ça, vous n'évoluez pas. Deux points. Deux points, roulette, banqueroute, deux points. C'est ça, roulette, il y a des points aux joueurs. Yume, est-ce que tu tournes la roue ou pas? Ouais. Allez, c'est parti. Vous ne perdez aucun point. Allez, vas-y, tu échanges avec moi et moi après je fais banqueroute. Ouais. Ça, c'est le gameplay qui sort. Ah, alors à partir de la prochaine manche, c'est 2 points, puis 3 points, 4 points, 5 points. Donc Yume, tu resteras à 1 point par bonne réponse. Oh, tu vas dans le cul, toi. Il va même pas bénéficier du. Là, maintenant, à partir de la prochaine manche, ça vaudra 2 points par bonne réponse. Puis après 3 points, puis après 4 points, 5 points, 6 points. Mais On verra ça plus tard. Mais ça veut dire qu'une manche, la roulette, de toute façon. Oui. Alors, Nzabu, est-ce que tu tournes la roulette? Ah bah bien évidemment, c'est tellement plus marrant. Il a jamais dit évidemment de sa vie, hein. C'est la première fois. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir implémenté cette nécroulette. Tu gagneras 4 points par bonne réponse lors de la prochaine manche. Mais quel fist de pute. Putain. C'est bon ça. Pas grave, il donne pas beaucoup de bonnes réponses. Os. Il a dit os. Lunel, est-ce que tu fais tourner la roue? Oh, Lunel, c'était quoi ce long dégueulasse? Fais tourner la roue. Moi qui me dis, c'est tourner la roue, c'est dégueulasse. Tu gagneras un point par bonne réponse. Ouais, vachement utile d'avoir fait tourner la roulette. Ouais. Bah non, mais si, puisqu'il devait en gagner deux. Pozzo, est-ce que tu tournes la roulette? Bah ouais. Ah, Pozzo, c'est un aventurier, lui, il tourne, hein. Pedo, l'aventurier fait. Contre tout guerrier. Ouais. Tu vas te prendre un rocher. Pozzo, tu as l'opportunité d'échanger tes points avec un joueur de ton choix. Yume. Non mais non. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Lunel. Pozzo, quel est ton choix? Ah bah Yume. Allez Yume. Allez Yume. Et Comus. Veux-tu faire tourner la roue? Allez. Maintenant t'es en dessous de moi, je te pisse. Non, honnêtement, vous trouvez pas que c'est une bonne idée d'avoir implémenté cette roue? C'est génial. Ouais. Ah si, c'est génial. Comus, tu gagneras 4 points par bonne réponse. Oh bah oui. Ah, putain, Comus, il peut remonter. 4 points par bonne réponse comme moi. Nous sommes donc maintenant. Alors, on va faire. Yume dernier. On va faire Pozzo, Lunel, Comus, Yume, Nzabu. Est-ce que vous êtes prêts? C'est bien d'avoir été premier tout le long, Yume. Attention. T'inquiète, on va changer tout à l'heure. Pozzo. Pozzo en haut, lieu d'un désert qui possède un point d'eau. Oasis is good. Oui. Ah non, c'était Oasis tout seul. Hein. En P, Lunel, ensemble des poils d'un animal. Le pelage. Oui. En Q, Comus, l'extrémité par laquelle on attrape la souris verte. La queue. Oui. En R, Yume, mammifère carnivore au museau pointu et au pelage roux. Raton laveur. J'ai accepté aussi Robin André. T'étais pas mal. Il aimerait pas trop, hein. Enfin, je sais pas moi. Mais... Donc, Yume, tu gagnes un point. Si, il marche. Non, mais il a déconné sur. Mais c'est toi. On repart en S avec Nzabu. Hop, un alcool japonais que l'on boit à la fin d'un repas. Saké. Oui.
4 points. Pozzo hanté, un lieu où la justice est rendue. Tribunal. Lunel, en U, un Jamaïcain qui court aussi vite qu'un dromadaire. Usain Bolt. Oui, en V, Gomus, un champion de karaté belge qui est toujours aware. Vandamme. Oh, mais putain, je suis tombé sur la mauvaise question. En W, Yume, un sport humide dans lequel on joue au ballon en slip de bain. Waterpolo. Oui, c'est un point. Enzabu, en X, une bande de super-héros dont fait partie Wolverine et Cyclope. Oui, en Y, Pozzo, bateau de plaisance de grande taille qui peut être à voile ou à moteur. Yacht. Oui, Lunel, en Z, une chanson de Pierre Perret. Le Zizi. Oui. Le Zizi. Wouh. On continue avec l'alphabet russe. Allez, nous allons passer au score de cette manche. Score, pour l'instant, en première position, nous avons Pozzo avec 17 points. En deuxième position, Enzabu avec 14 points. En troisième position, Comus avec 10 points. En quatrième position, Lunel avec 9 points. Et en cinquième position, Yume avec 2 points. 4 points. 4. Ouah, merci. 4 fucking points. Pozzo, est-ce que tu tournes la necroulette? Évidemment. Bon, ça coûte plus aucun point. Eh bien, tu as 0. Et il y a une Mistral perdant. Mais banqueroute, biatch. Banqueroute. Mais on va voir. Mais attendez, je l'ai pas tourné. Rien à foutre. Pozzo, tu viens de perdre 10 points. Ouais. Vas-y, tu me dois 50 balles. Pensez de ta gueule, fils de pute. Il nous a dit que ta mère était une pute. Le fistage. Enzabu, est-ce que tu tournes la roue? Ouais. Il dit que sa mère était la pute de quelqu'un d'autre qui avait fait de lui son père, son fils. Voilà. C'est ça. Enzabu, tu es tombé sur la case banque. Sa mère était la pute de quelqu'un d'autre. Donc c'est une pute. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Enzabu? Banqueroute. Ah. Ah. Et du coup, je vais revenir premier, je crois. Comus, est-ce que tu tournes la roue? Bah oui. Pendant environ 2-3 secondes, j'ai été premier. 2-3 secondes, ouais, c'est ça. Pozzo, t'es où? Je sais pas, je roule. Comus, tu as gagné 10 points. Oh l'enculé. Okay. Franchement, Comus, GG là. Bah, il doit être à 12 là, non? Il est à 20. Il est à Lunel, est-ce que tu tournes la roue? Moi, je tourne la roue. Bah, vas-y, tourne la roue. On va le buter à 2. On le bute à 2. On va le trouver. Attention, la prochaine manche, c'est 3 points. C'est qui a décidé de tourner la roue? C'est Lunel? C'est moi aussi. Tu perds 10 points. Oh oui! Yume! Je tourne la roue! Oh putain, merci Lunel! Ah ben Yume, tu récupères les 10 points de Lunel. Ah bon? Oui, plus 10. Allez, on part aussi. Mais non, mais c'est plus. Pour l'instant, nous avons Dicobus avec 20 points. Yume avec 14 points. Pozzo avec 7 points. Enzabu avec 4 points et Lunel avec 5 points. Moins 1, pardon. Moins 1. 5 points. Moins 1. Il y a un truc que j'ai pensé. La roue. Terminé. Une manche en étant dans le négatif quand même. Ouais. Alors, on va faire Comus, Yume, Enzabu, Pozzo, Lunel. 1. Top. Comus en R, le même son à la fin de deux vers. Non, je sais pas, ça. Yume. Non, t'abuses là. Rime. Oui. Ah oui. En S, Enzabu, un truc bon et long, spécialité de la ville de Strasbourg. Saucisse. Enzabu en. Pozzo, pardon, en T, un champignon comestible qui pousse sous terre. Oui, Lunel en U, une adresse de Minitel Rose qu'on faisait en appelant le 3615. Il reste 2 minutes. Passe. Comme oh putain, non, t'as plus. T'es pas mis. Tu peux répéter? En U, une adresse de Minitel Rose en appelant le 3615. Non, je sais pas. Oh putain, oh, mais non, trop jeune. Yume. Oh les mecs. Yume. Allo, Père Noël. Enzabu. Ula. Oui. C'est quoi ça? En V, Pozzo, un sport dans lequel le premier arrivé est le plus souvent dopé. C'est qui répond et c'est quoi la Pozzo, question? Pozzo, en V, un sport dans lequel le premier arrivé est souvent le plus dopé. Le vélo. Oui, en W. En W, Lunel, une espèce de grande casserole utilisée beaucoup en Chine. Un wok. Oui. Bravo. En X, Comus, une série dans laquelle on voyait enquêter Scully et Mulder. It's fight.
En Y, Yume, il peut être au fruit des bois, mais également à 0%. Yo. En Z, Nzabu, en verlan désigne une chose un peu étrange. De l'eau. Non, je sais plus pas. Bozo. C'est quoi la question? En Z, en verlan désigne toute chose un peu étrange. Zarbi. Oui. Zarbi la mouche. Et t'aurais pu dire aussi que le Pokémon. Oui, mais j'avais pas envie. T'avais pas envie, mais t'aurais pu le lire. Oui, mais j'avais pas envie. Je fais ce que je veux. Merde, c'est mon jeu. Va te faire foutre. Voilà. Les scores. Premier, Comus avec 23 points. Deuxième, Yume avec 20 points. Troisième, Pozo avec 16 points. Quatrième, Enzabu avec 6 points. Et cinquième, Lunel avec 2 points. Bravo, Lunel. Ah, Lunel, il a peur. Je viens d'exploser dans un hélicoptère. Nous allons tourner. Ah oui, c'est quoi ce level? La necroulette. Bah, c'est le YouPorn de l'époque du Minitel. Ah, voilà. Alors, est-ce que tu fais tourner la roue, Comus? Attendez-moi, les mecs, j'arrive. Je peux pas monter dans le. T'as la même session que vous là. Moi, Comus, je te dis, il tourne pas la roue. Alors, Comus. Mais non, c'est pas marrant si on tourne. Ah, ça, c'est une chose qui va te plaire. La prochaine manche, techniquement, vaut 4 points, mais Comus, elle c'est en toi qui as mis un point marqueur. 8 pour toi. C'est mien. Putain de what merde. 8 points, mais le mec, il va arriver à 100. Moi, je crois que 8 c'est points mien. Par bonne réponse. Non, peut-être pas 100. C'est ça. Yume, est-ce que tu tournes la roue? YOLO. Astram, graphique et... oui. Dans l'autre sens, les roues, dans l'état. Ouais, voilà. Non, pas banqueroute. Ça marche à l'envers, les roues. Non, pas banqueroute. En direction de Montboucher sur Jabron, bien évidemment. Pas banqueroute. Tu es tombé sur une manche à 0 points. Ouais. Je m'en branle, je serai pas dernier. 0. Ah, oh, tu sais pas. Hein. Pozo, est-ce que tu fais tourner la roue? Bah oui. T'as rien de me demander. Ouais, mais je demande quand même. Pancoruto. Il gagne 10 points. Ah, l'autre. J'en ai perdu 10, j'en gagne 10. Voilà. Du coup, t'as tourné deux fois dans le vent. Enzabu, est-ce que tu tournes la roue? J'aimerais bien, mais je veux savoir quoi, combien de points je suis. 6. Ouais, allez, ça vaut le coup, allez, on me dira bien. Mais de toute façon, vous perdez plus de points. Tu n'as rien à perdre. 6 points, éventuellement. Si, une case ah, dans le cul. Pour la prochaine manche, tu gagneras que 3 points par bonne réponse. Tu as tout perdu. Oh, au lieu de 4. Au lieu de 4. Voilà. Lunel, tout, mec, est-ce que tu fais tourner la roue? Eh ben vas-y, tourne la roue. Je sais pas, je vois même pas où t'es. Ah si, t'es là. Non, c'est même pas toi ça. Banqueroute. Non, je sais pas où il est. Je suis à une quarantaine. Tu es dans la même situation qu'Enzabu. Derrière. Tu gagneras 3 points par bonne réponse. Non, c'est pas lui non plus. Non. Je suis en train d'arriver, bougez pas. Putain, allez vous faire foutre. Mais moi je gagne 0 points, espèce de fils de bête. Alors écoute, t'as des manières. Si, il est derrière. On va faire. Mais combien t'as tourné? Pozo, Enzabu, Yume, Comus, Lunel. Attention! Ce poteau. Oh, bande de bâtards, attendez, je monte. Toi! Non! Mais monte! Hop, Pozo en N, une ville connue pour sa salade et sa promenade. J'ai compris. C'est quoi la question? En N, une ville connue pour sa salade et sa promenade. Nice! Oui! Alors, attendez, je suis une pause au coup. Bado! 4 points. Attention, Enzabu, top! Enzabu en haut, conduit de pétrole. En haut. J'ai plongé. C'était stylé. Attends, je prends la vidéo. Oui, les égouts, j'ai répondu déjà. En haut. En haut déjà. Et ouais, s'il y a du pétrole dans les égouts, on peut se poser des questions. Enzabu, t'es con. En haut, les égouts, j'ai dit, putain. Viens. Oui, et les égouts, il y a du pétrole. Ouais, les égouts sont maintenant des puits de pétrole. Super. Alors, je vais vous dire un truc. Du pétrole. Si jamais au bout des 2 minutes 30 vous n'arrivez pas à la fin de l'alphabet, les égouts. Mais vous êtes vraiment des grosses merdes. Hein. Les égouts. On repart en haut. Avec Yume, il reste 1:55. Non, je pense que si vous n'arrivez pas au bout en 2 minutes 30, je vous banne tous. Par contre, tu l'as dit ta question de merde. Moi, j'ai pas écouté. Top. En haut, conduit de pétrole, Yume. Je sais pas. Ondulateur. Comus. Je sais pas. Lunel. Oléoduc. Oui. Que Lunel qui savait. Oléoduc. Un oléoduc. Un oléoduc. 3 points pour Lunel. Ah ouais, c'est connu. Regarde, Comus. On repart. Oui, bah. En P. Top. En P. Une matière coefficient 8 lorsqu'on passe le bac S. La physique. Oui.
en cul. Enzabou, ce que fait souvient de... Alors Enzabou, on est dans le cul. Dans le cul de qui? Alors Enzabou, on est dans ton cul. Attention, il vous reste une 29. C'est top. En cul, Enzabou, ce que fait souvent Dieudonné. Des quenelles. Oui, Dioumé en R, genre musical dont le groupe Queen était un groupe. Rock. Oui. Ah oui, bah c'est 0 point pour toi. En S, commis, une substance alimentaire extraite de la betterave. Je sais pas. Lunel. Le sucre. Oui. En T, Pozzo, ah, oui. Le roi des jeux de mots qui anime les amours sur France 2. Il reste une mine. Tex. Oui. Un brick. En U, Enzabou, petite guitare hawaïenne. Ouh, je vais y arriver. Ukulele. Oui, en V, Yume, Louis Pasteur l'a trouvé pour soigner la rage. Le vélo. Comus. Qu'est-ce que t'as dit? Un vaso. Oui. En W, Lunel, un mot anglais pour désigner un guerrier. Un warrior. Oui. En X, Pozzo, taille de vêtements signifiant extra extra large. XXL. Oui, c'est combien pour toi? 4 points. En Y, Enzabou, un ruminant à poils longs élevé au Tibet. Il reste 20 secondes. Oui. Et enfin en Z, Yume, en plus c'est bien que ça tombe sur toi. Mot souvent prononcé par Pozzo désignant l'organe de reproduction masculin. Il reste 10 secondes. Vite. 5. Je peux dire. Yume. Non mais il me troll en fait. Yume. Yume. Je fais ça pour m'enculer. Je gagne pas de points moi. Je m'en branle. C'était évidemment. Boob. On passe au score. Il y avait 42 points pour Pozzo, 31 points pour Comus, 20 points pour Yume, 15 points pour Enzabou et 11 points pour Lunel. Bonjour. Nous allons faire maintenant tourner la nécrolette. Pozzo. Marionnette. Tourne-tu la roue? Je tourne. Pistouquette. Moi aussi je tourne. Moi aussi je suis en train de tourner. Ah, ça c'est bien. Pozzo, tu as le droit d'éliminer une personne pour la prochaine manche. Non mais non. Mais... C'est terrible. Yume, comme ça, il aura vraiment pas de points. Non, le deuxième, c'est Enzabou. C'est moi le deuxième. Non, je peux pas éliminer. Mais justement. Mais non, mais tu peux pas m'éliminer moi. Je peux pas éliminer Nicocomus. Mais non, je peux pas. C'est quoi le classement, mec? Tu es premier avec 42 points, deuxième Comus avec 31 points, troisième Yume avec 20 points, 4ème Enzabou avec 15 points, 5ème Lunel avec 11. Je fais pas ça! Non, non, mais Lunel, t'as pas le droit! Lunel, il est dernier, non. Le pauvre! Non, mais Lunel, allez! Allez, Lunel! Non, Lunel, il s'en fout! Non, Yume. Mais aussi! Allez, on vire Yume! Eh, non! Qu'est-ce que je t'ai dit? Y'a le feu! Comus, est-ce que tu tournes la roue? Oui. De toute façon, il joue pas la, il joue pas la manche. Bon bah. Yume joue pas la manche, mais il aura quand même le droit de tourner la roue. Et où, Mad? Ah, Comus, tu as le droit d'échanger les points avec qui tu veux. Avec moi, je t'en verrai, non? Eh bien. Fais-moi le classement. Pozzo a 42 points, tu as 31 points. Moi, j'étais 20. Dans les. J'étais encore Enzabou dans les trucs. 15, Lunel 5. 11, pardon. Vas-y, fais chier, Pozzo, il m'a sauvé. Attends, je vais c'est pas là. Ouais, mais non, il en a un peu trop, lui. Bah, échange avec moi. Ouais, échange avec moi aussi. Je suis ton ami. Ah, moi, je m'en branle, hein. L'autre, je suis ton ami. Si on branle, je vais échanger avec Pozzo. Hein. Allez, avec Pozzo. Ah, bah ouais, ça vaut le coup. Oui, non, mais on comprend. Ça, c'est... Attends, tu fais quoi? T'échanges tes points? Ouais. Mais c'est l'arnaque, ça. Ah, bah non. Tu prends forcément le premier. Bah oui. C'est pour ça. Bah oui, mais bon. Ah, sauf si t'es premier et que tu sauf tombes si dessus. Si t'es premier, bah oui, c'est pour ça. Bah t'es changé avec les deux. Allez, Yume, je fais tourner la si nécrolette. Heureusement que j'étais en passif. Oh, Yume, tu vas aimer cette morts, manche. En fait. Ouais, il est pas mort. Le Yume, tu vas gagner 10 points par bonne réponse. Oh, alors oui, frites. Sauf que je rappelle qu'il a pas le droit de participer. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est beau. C'est
c'était le bug. Ah oui, ah oui. Ah merde, la moto. C'est ça, quoi. Attends, je voulais m'en servir. Mais t'avais participé à la manche précédente, donc t'avais le droit de tourner la nécrolette. Pour la prochaine, t'auras pas. Moi je m'en fous, c'est pas la mienne, mais. Tu pouvais tomber, tu sais, Yume, sur la même truc que moi, genre éliminer un joueur. Enzabou, tournes-tu la nécrolette? Bah, il t'éliminera toi, ça c'est sûr. Mais maintenant que t'es plus premier. Non, c'est pas sûr. Enzabou? Ah, si, 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 moi c'est sûr. T'es sûr maintenant? Il est tellement revanchard. Je tourne tout le temps. Je crois qu'il a dit qu'il a tourné. Oui, j'ai entendu. Ah, mais il y a Enzabou à pied. Enzabou, tu gagnes 10 points. Lunel, est-ce que tu tournes la roue? Eh, mais vas-y, fais tourner cette putain de roue. En tout cas, les mecs, je vais vous dire un truc, le montage de cette vidéo va être chaud patate. Je m'en doute. Eh, c'est le premier boulot, ça te fait pas de mal. Par contre, Lunel, vous perdez 15 secondes au chrono. Pozzo bouge. Premier, Comus, 42 points. Deuxième, Pozzo avec 31 points. Troisième, Enzabou avec 25 points. Quatrième, Yume avec 20 points. Et cinquième, Lunel avec 11 points. Heureusement que t'es là, Lunel, hein. Comme ça je suis pas dernier. On reprend. Moi parce que je me suis fait niquer, voilà, c'est tout. Parce que j'ai obligé d'utiliser la roue. T'as aimé? Mais non, tu peux payer pour ne pas l'utiliser. On va faire 2 points en plus alors que. Non, mais c'est gratuit, on perd plus de points pour l'instant. Ah bah voilà. On va faire Comus, Yume, Enzabou, Pozzo, Lunel. Il est pas aussi fort sur la roulette que sur le Kelsa, Lunel. Ouais, j'étais. Attention, on commence par Comus. Ok. Attention. Top Comus en N, un adjectif désignant japonais. Nippon. Oui. Yakoué. Attendez, stop. Top. Enzabou en O, c'est l'étude des oiseaux. L'ornithologie. Oui. En P, Pozzo, un récipient inventé en 1884 par un certain Eugène. Un pot. Non. Lunel. Et qui Eugène? Une poubelle. Oui. Ah oui, le préfet. Comus, en Q, la réponse à la vie, l'univers et tout ce qui existe, plus le 42. Carré de 2. Ah bah trop tard, on passe, Enzabou. Ah mais 42. Putain. Pozzo. J'ai pas compris le trop tard. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a? La réponse à la vie, l'univers et tout ce qui existe, plus le racine, plus le carré de 2. C'est salaud, c'est salaud. Ah, pourquoi t'as 46. Pas le temps, toi? Bah parce qu'il a dit 42. 46. Oui. Il est plus le carré de 2, donc 46. Ah bah oui, il faut écouter la question jusqu'au bout. Ah. Attention, on repart avec Lunel en R. Top. En R, le prénom d'Enzabou. Robin. En S, Comus, le journal pour lequel travaille Gaston Lagaffe. Non, non, c'est Robin son prénom. 42. C'est la réponse blasé. À tout, hein, en même temps. Si c'était la réponse blasée, et 42. On repart. Top Enzabou en S, le journal pour lequel travaille Gaston Lagaffe. Il devrait le savoir. Enzabou. Pozzo. Oh les gars, sérieux. Quoi? C'est quoi la question? En S, le journal pour lequel travaille Gaston Lagaffe. Ça pue. Lunel. Birou. Oui. En T, Comus, un personnage que dessine très bien Zep. Titeuf. Oui, en U, Enzabou, une marque de colle jaune et noire. UHL. UBS. UBS déjà. C'est UPS et je crois pas que ce soit une marque de colle. Non, c'est UBS. Oh, mais oui, mais je crois pas que ce soit une marque de colle. Tu connais pas la pâte à fixe? Oui, bah... Allez, on repart avec Pozzo. Ah, U. UU. Oui, c'est bon. En V, Lunel, il mesure 90 000 km dans notre corps si on les met bout à bout. Il reste 30 secondes. Enzabou, viens voir. Des couilles. Oui. En W, Comus, un condiment de couleur verte provenant du Japon qui est utilisé pour épicer là, les plats. À ta droite. Le wasabi. En X, Enzabou, le chromosome déterminant le sexe masculin. Le xylophone, oui. Il reste 10 secondes. Le regarde par terre, j'ai fait une fleur. Oh là là! Le xénomorphe! Quoi qui se on repart avec Pozzo! Le Xu! Oui, mais en complet! Barre-toi, tu te fais courser par les flics! Lunel! Ouais, en Y! Il fallait. Ah putain, mais quelle merde! Bon, on n'aura pas le temps pour le Y, putain! Reste combien de secondes? 0. 36. Okay, bon, on va quand même le faire, mais ça rapportera pas de points. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars pour en moto ou tu pars avec moi? Bah, on fait un peu plus rapide.
Non. Au plus rapide. Attends. Bah, parce que ça compte pas les points. Veux, allez, au plus rapide. Ah, mais moi, du coup, putain, belle bande d'enculés de merde. Ah, bah, attends. Oui, du coup, mais, alors, au plus rapide, attention. Oh, c'est la baise. T'es dit BMW, oh, l'humanité. Hein. Top, en Y, spécialité culinaire japonaise présentée sous forme de brochette. Yakisobi. Merde, ça m'a filé les flics. Yakisobi. Vite, vite. Yakiniku ? Non. Je connais pas le bouffe, moi. Et Koniki ? On passe, allez, c'est pas grave. C'était les Yakitori. Ah. Ah. En, ah, attention, top ! En Z, équidé africain à robe clairayée. Zumba. Zèbre. Zumba ? Vite ! Zinga. Zèbre ? Bah oui. Zèbre. Le zèbre, on passe au score. C'était une vache. Premier, Helicomus avec 57 points. Deuxième, Pozzo et Lunel avec 41 points. Troisième, Enzebo avec 30 points. Quatrième, Yume avec 20 points. Nous allons maintenant faire on était pas 5 joueurs tourner. Il y a quelqu'un qui a des échos. Ah oui, d'accord. Oh putain, c'est moi la baise. Tu es où? Allez, nous passons à la necroulette. À la necroulette. Ouais. Comus, tournes-tu la necroulette? Le problème, c'est que ouais. Ouais. On tourne la necroulette. Tu sens la voix. Ouais. Ah, il est blasé à cause du 42. Ouais, désolé. De toute façon, moi j'ai rien à perdre. Comus, tu perds 10 toi. Points. Oh, ça va. Ah, du coup, je suis pas dernier, c'est bon. Tournes-tu la roue? Bah, ouais, je tourne la roue. Pozzo, tourne-tu la roue? Sur ma roue, oui, il y avait du move. Oh, User was kicked from the server. User was banned from the server. Vous gagnez 15 secondes au chrono. Lunel. Bah vas-y, fais tourner. Ouais, je l'ai déjà fait tourner avant même que tu me dises oui, je l'ai fait tourner. Non, c'est ça a bugué avec ton nom. Ah, tu gagneras aucun point par bonne réponse. Mais il a vraiment de la chance, Lunel. En fait, je suis poursuivi par les flics. Dans mes stats de base, oui, ça j'ai remarqué, bien sûr. Enzebu. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, bah je tourne aussi. De toute façon, je te l'ai dit. Pour j'ai baissé en volume parce qu'il y a plus fort que d'habitude, c'est bizarre. Non, oh, t'aurais dû prendre des rails. Enzebu, ouais, tu perds 10 points. Tiens, j'allais le dire. Ah, mais je suis premier là, du coup, non? C'est ça? Allez, Yume, on va quand même te faire tourner la roue, même si t'as pas participé. Est-ce que tu veux la faire tourner? Ah. Oui, et perdre 10 points. Au risque de perdre des points. Ah bah je m'en branle. Ah la chance, faut tu faut tu annuler quelqu'un. Ça je m'en branle pas non en fait. Tu perds 5 points. Alors, nous allons faire Comus, Lunel, Pozzo, Enzabu et Yume. C'est pas grave, il est. On commence par Comus. Oh là là. Top. Comus en N, une star de télé-réalité qui est toujours très affûtée. Il y a pas la musique. Je connais rien. Non, c'est normal. Lunel. De quoi? En haine, une star de télé-réalité qui est toujours très affûtée. Passe. Même moi je l'ai. Pozzo. Nabila. Bah oui. En haut, Enzabou, frère du père ou de la mère? L'oncle. Oui, en P. Yume, oiseau exotique capable de reproduire des sons. Pélican. Comus. Perroquet. Perroquet. Mais non. Eh, trop tard, j'ai passé la main à Comus. Ouais, Lunel. Ta mère. Lunel. Lunel en Q. L'état-major de la police y siège au 36. Quoi? L'état-major de la police y siège au 36 en Q. Quinconce. Non, Pozzo. Quinconce. Iquette. Voilà. Enzabou. Le quai des orfèvres. Bravo. Oui. En R, Yume, un plat que l'on peut faire à ses amis pour les impressionner. Des moules. En R. Ah merde, du riz. Oui. En S, Comus, quelque chose qu'on peut se mettre dans les fesses pour se faire du bien. De faire du riz. Ils sont facilement impressionnables. Bah pour Yume, ouais, c'est impressionnant. Top. En T, un petit garçon imaginaire mais pourtant l'auteur de nombreuses blagues à son sujet. Boto. En U, Pozzo, Mac Tyson en est distribué pendant toute sa carrière. Des hypercutes. En V, Enzebu, grand reptile carnivore d'Asie et d'Afrique. Crocodile. En V. Mais je ne sais pas, c'est pour ça, je ne sais pas. Mais tu dis pas, merde. Yume. Vélociraptor.
Non, Comus. Putain, j'allais le faire. Comus. Je sais pas. Lunel. Parent. Oui. En W, Pozzo, salut ou provocation appartenant au vocabulaire des jeunes. Ouais. Il reste 45 secondes. Oui. Ouais, c'est ça. En X, Nzabou, intelligence artificielle dans la série d'animation française Code Lyoko. Xena, Xena, pas Xena. Je prends en Y. Mais quel enfoiré, il a passé l'autre jour quand il m'a fait. Mais non. Vite, en Y, membre de la mafia japonaise, Yume. En Y. Yume. Ah, un yacht. Mais qu'est-ce qu'il dit? Membre de la mafia japonaise, mais si t'écoutais. Ah, Yakuza. Allez, en Z, Comus, attention. Top, en Z, un bœuf africain long de corne caractérisé par une bosse dorsale. Je passe. 5. Lunel. Un zébu. Oui. Avec un zébu, zébu soif. Terminé. C'est un zébu. Oh putain, oui. Oh. Les scores, et c'est assez serré. C'est parti. Oh, ça va, j'ai vu. Les scores, nous avons Lunel et Comus égalité avec 59 points. Oh. Pozzo deuxième avec 53 points. Nzabu troisième avec 38 points. Et quatrième, Yume avec 27 points. Nous allons faire tourner pour la dernière fois la necroulette. Est-ce que tu fais tourner ton... Oui. Aïe. Ah, l'enfoiré. Licomus, tu gagnes 5 points. J'ai mal au crâne. Prends du Doliprane. Lunel, est-ce que tu fais tourner la roue? Oui, je vais tourner la roue. Et attends, j'ouvre la boîte. Aïe, aïe, ah, mais j'ai pas. J'ai plus. Il y a plus rien dans la boîte. C'est de l'antivirus ce que tu fais. Lunel, tu as le droit d'échanger les points avec la personne de ton choix. Allez, Comus. Je peux pas monter. Mais si, il y a une échelle. Forcément. Ouais. Pozzo, est-ce que tu fais tourner la roue? Ouais. Aïe. Non, on dit y en a qu'un. Y en a qu'un, connard. Mais pauvre Licomus, mais Lunel, t'as invité? Lunel, il était égalité avec moi. Donc Pozzo, tu as le droit d'échanger les points avec la personne de ton choix. Mais quel fils. Premier, c'est qui le premier? C'est Lunel. C'est Lunel. Mais avec Lunel. Putain. Lunel, il se fait baisser. Il a échangé les points avec le premier. Nzabu, est-ce que tu tournes la roue? Qui, connard? Avec le dernier, c'est mieux. Nzabu. J'ai eu le temps de tuer Nzabu avant. Combien de points? 38. Ouais, bah, vous vous êtes entretués en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis fait avoir. T'as fait gaffe, bon, plus 15 secondes au chrono, donc bon, t'as rien gagné. Putain, les deux à la fois, quoi. Alors, on va faire un truc, comme c'est la dernière manche, les trucs genre les manches plus de points ou moins de points, ou les temps, on les prend pas. On prend juste échange de points, banqueroute, 5 points, 10 points, moins 5 points ou moins 10 points. Ok. Donc je refais tourner une deuxième fois la roue pour Nzabu. Je fais chier, man. Nzabu, tu perds 10 points. Aïe. Tu fais chier, man. Tu fais chier, mec. J'ai rien fait, moi. Est-ce que tu tournes la roue? Oui. T'as une chance. J'ai rien à perdre. T'as une chance de passer devant Nzabu. Ah. Bon, je tente plus ta roue. Ça fait chier. J'ai une chance de passer devant tout le monde, même. Alors, je retourne la roue parce que t'es tombé sur la case d'élimination. Ça sert à rien. Merci. Tu perds 10 points. Ben je m'en branle, j'étais déjà dernier. Encore plus dernier que d'habitude. Allez, nous passons à l'annonce des scores. Ah. Et je me suis fait baiser à cause de Pozzo, putain. Les scores finales, nous avons en première position Pozzo avec 64 points. En deuxième position, Comus avec 59 points. En troisième position, Lunel avec 53 points. Quatrième, Nzabu avec 28 points. Et dernier, Yume avec 17 points. En tout cas, merci. Comment ? Bravo. En tout cas, merci. Merci à tous d'avoir participé. Ah ouais, il y avait oui, tu as gagné. Ouais, mais t'as gagné en trichant. C'est pas vraiment dit. T'as probablement gagné. Alors, on est mort. Allez, merci à tous d'avoir participé. Donc, bonjour. Pozzo, Comus, Lunel, Nzabu et Yume. Qui est encore Non, non, c'est Yume qui s'est barré. Donc du coup, eh ben, à la semaine prochaine pour une nouvelle partie de... À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle partie de
l'ABC Quiz et je lance le magnifique jingle. L'ABC Quiz.